Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. C'est la nouvelle vidéo consacrée à la politique française. Donc, on fait évidemment tout un tour de la France politique. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est là où travaillent les députés. En fait, au niveau hiérarchie, l'organigramme donc qu'on a au travail avec les supérieurs, les différents niveaux de responsabilité. On a bien sûr le maire qui s'occupe d'une ville, la ville, la commune. Après la commune ou la communauté de communes, maintenant on appelle plutôt ça comme ça, les communautés de communes. Après la commune, il y a le département. Non, la communauté de communes, oui, là, il y a la préfecture, bien sûr. Le préfet. Le préfet, les préfectures, les sous-préfectures, Donc, on, bien sûr, tu as le département, bien sûr. L'hôtel du département. Les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, la région, le département, qui compose bien sûr plusieurs départements et une région évidemment, qui est donc gérée. Ensuite, tu as les responsabilités, un peu les responsables nationaux. Les responsables nationaux qui se réunissent en hémicycle, Évidemment, on a bien sûr on commence par les députés. Voilà. Les députés, donc des différentes circonscriptions que compose évidemment chaque département en plusieurs circonscriptions. Les circonscriptions sont dirigées bien sûr par des députés. Les députés s'occupent évidemment de tout ce qui concerne leur circonscription, évidemment. Et ils se réunissent bien sûr pour voter des lois, des règles à respecter. Évidemment, on a des règles qui sont votées évidemment par parti politique, bien sûr, parce qu'on est libre. Grâce à notre devise liberté, égalité, fraternité, évidemment. Donc on a bien sûr les démocrates et les républicains. D'un côté et de l'autre. Gauche et droite. Républicains, ensuite t'as les extrêmes, évidemment, et t'as le centre au milieu, bien sûr. Le centre, donc, de notre président. Voilà. Et après, bien sûr, tu as bien sûr les différents ministres, évidemment, les différents responsables de chaque sujet, évidemment, l'éducation, le sport, la santé, la justice, etc. Donc, on va parler, bien sûr, donc, des députés et de ce fameux Palais Bourbon. Le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale. Donc, on va... Bien sûr, on a donc élu des députés aux élections législatives, les législations. En matière législative, les députés ont toujours le dernier mot sur le Sénat. Sauf en ce qui concerne les lois organiques qui effectuent le fonctionnement de la Haute Assemblée. Voilà, je vais essayer de le traduire, cette phrase. Les députés ont toujours le dernier mot, sauf ils ont le dernier mot sur le Sénat, sauf en ce qui concerne les lois organiques, c'est-à-dire les règles importantes, les petites lois qui sont pas très importantes, l'Assemblée est supérieure au Sénat, alors que pour les règles, pour les lois un peu plus sérieuses, évidemment, c'est le Sénat qui est au-dessus de l'Assemblée. Mais les pouvoirs de l'Assemblée ont été considérablement rognés sous la Ve République. Ils l'ont été d'autant plus que les élus de la nation utilisent peu ce qui leur reste. Alors, ce qui est à retenir en fait, le Palais Bourbon n'est plus aujourd'hui ce qu'il devrait être, à savoir le principal lieu de débat de la République
Les députés ont perdu une grande partie des pouvoirs dont ils disposaient dans les républiques précédentes. Mais ils ont contribué à l'abaissement de leur institution en n'exerçant pas ou peu ce qu'il leur reste. Voilà, c'est l'avis de l'auteur de ce livre, évidemment, La politique française pour les nuls, que je viens bien sûr de vous réciter quelques phrases concernant l'Assemblée nationale. Dans le microcosme de l'Assemblée, il y a certains lieux mythiques dont l'influence réelle, secrète ou symbolique n'est pas toujours mesurée. Il y a bien sûr donc la pièce principale, l'hémicycle. L'hémicycle du Palais Bourbon. Le demi-cercle. Là, avec d'un côté la gauche et d'un autre côté la droite de ce cercle. C'est qu'en fait l'hémicycle semble parfois aux yeux du public le cœur de l'institution parlementaire et est pourtant l'endroit le moins fréquenté du palais. Ils utilisent la pièce qu'on voit souvent à la télé, le grand demi-cercle. En fait, il est très peu utilisé. Sauf pour les moments importants. Les questions au gouvernement et les grosses discussions, évidemment, la loi pour, bien sûr, nous. Sauf à l'occasion des séances solennelles. L'ouverture de chaque session parlementaire, les votes de confiance et des rituels, et les fameux rituels qui sont au gouvernement du mardi et du mercredi. Séance auxquelles les députés sont d'autant plus nombreux que c'est pour eux l'occasion de passer à la télévision. L'hémicycle est généralement délaissé par les députés. Voilà, ce que vous pouvez le constater sur la chaîne publique, la chaîne parlementaire publique Sénat. Enfin, la chaîne parlementaire, la SCP, la chaîne parlementaire Assemblée nationale. En fait, il y a deux chaînes de télé qui sont très politiques. La chaîne parlementaire Assemblée nationale, c'est pour l'hémicycle, les députés, et à l'autre chaîne, Public Sénat, qui est consacrée évidemment aux sénateurs, etc. Bon, il n'y a pas vraiment de la politique, il y a plein d'autres trucs hein, sur les chaînes politiques LCP, Assemblée nationale et Public Sénat. Ceux qui ont les box internet, etc., le satellite, ils ont bien sûr chacun leur chaîne, leur numéro de chaîne. Voilà. Et ceux qui ont la TNT, bien sûr, ils ont uniquement la chaîne qui les regroupe en une seule et même chaîne LCP Assemblée Nationale. Voilà. Canal numéro... c'est le canal numéro 13, voilà. Avec, bien sûr, d'un côté NRJ 12 et de l'autre côté France 4, les trucs pour les enfants maintenant. Hein. Les enfants, ils mettent un peu de sport et ils mettent quelques films, voilà. Pour la famille. Voilà, donc Canal 13, hop, politique, hop, l'Assemblée nationale. Et là, par exemple, là, pendant toute la semaine, évidemment, avec la loi sur, bien sûr, qui nous intéresse, évidemment, sur... voilà. Ok, on va partout parler politique. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez sur ces chaînes. Si vous voulez voir tout ce qui se passe chez nos amis les députés et les sénateurs. Mais à part cet hémicycle, il y a aussi la salle qu'on voit assez souvent sur les chaînes, sur les JT. Quand ils font les interviews des députés, ils les font dans la fameuse salle des quatre colonnes. La salle des quatre colonnes. Et celle attenante. Oui, c'est juste à la sortie de l'hémicycle. Quand ils sortent de l'hémicycle, hop, ils passent par la salle des quatre colonnes. Voilà, c'est le lieu de rencontre de la presse et des parlementaires. C'est aussi désormais l'endroit le plus dangereux pour ceux qui exercent la profession de journaliste. Chaque mardi et chaque mercredi, lors des questions au gouvernement et à l'occasion de tous les grands débats parlementaires, la bousculade est si importante qu'il devient de plus en plus difficile d'avoir une conversation avec un parlementaire.
sans risque de d'avoir un coup de caméra. Boum. Oh, pardon. Oh, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc salle des quatre colonnes, donc la salle où on voit tous les journalistes pour poser des questions aux députés à la sortie de l'hémicycle, évidemment. Et après chaque débat, qu'est-ce qu'ils vont ? Ils font faire une petite pause. Ils font une petite pause à la buvette. Et oui. Et oui, et oui, et oui. C'est quand même avant tout des hommes et des femmes qui travaillent. Et donc, ils ont droit à des petits moments de pause. Voilà. Quand il y a une pause à l'hémicycle, hop, il y en a certains qui vont faire un tour du côté de la buvette parlementaire de l'Assemblée nationale. Le jardin secret des députés qui s'y rencontrent hors de la présence des journalistes, évidemment, s'ils veulent dire des choses secrètes, ils ont qu'à aller à la buvette. Une intimité qui facilite le dialogue en dehors des barrières partisanes, évidemment. C'est clair, on ne parle pas de la gauche, de la droite, de l'extrême et du centre. Non, c'est des hommes et des femmes qui discutent de choses, de politique, de la vie de tous les jours. Voilà, des discussions. La buvette peut aussi être le refuge d'élus désireux de manifester leur mécontentement à l'égard d'un gouvernement qu'ils sont pourtant censés soutenir. Voilà, après on passe rapidement la salle Colbert. Voilà, une salle évidemment secrète. Alors, que je regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est le chapitre le parlementarisme rationalisé. En fait, on va faire... Voilà. Je regarde si c'est important, si c'est intéressant. Ok. Le perchoir. Oui, on entend assez souvent parler d'un perchoir. À l'Assemblée nationale, là, le perchoir, c'est là où il y a le patron des députés. Le patron. Le président de l'Assemblée nationale. Et le quatrième personnage de la République. Pour accéder à ce poste, enviable et recherché, il faut au minimum une certaine notoriété politique. Le perchoir, c'est une expression, hein, une expression qui sert à qualifier la présidence de l'Assemblée nationale. La personne qui se trouve en haut, en face des députés, tu as une personne qui est juste sur son trône. On va dire c'est le patron de l'Assemblée nationale, donc il a droit à son fauteuil de patron, son bureau de patron, avec ses vice-présidents à droite et à gauche, et qui, des fois, jette des petits coups d'œil à la personne qui est juste en dessous de lui, ou d'elle, le gars qui parle aux autres. Et là, t'as le patron qui dirige le truc. Il fixe les règles, le gars, le patron. Hey, t'as droit à 5 minutes, hein. Pas une minute de plus. Tu parles 5 minutes, je te coupe. Oui. Ah oui. Ça, c'est bien. Ah, le patron, c'est lui qui dirige le truc. Bon, allez, hop, toi, tu parles. Ah, merde, t'as été trop long. Allez, hop, réponse. Réponse du gouvernement. T'as le gouvernement qui est juste en bas, là. En bas, au milieu. T'as les ministres ici, là, qui prennent le micro, hop, et qui disent « Ouais, toi, t'es pas sympa, ah, toi, t'es... » Voilà. Donc on revient au perchoir. Voilà. Voilà, nécessite aussi des qualités d'entre gens et de diplomatie. Ouais. Ça, c'est sûr, faut vraiment des diplomatie. La plupart des présidents de l'Assemblée nationale ont été des personnalités fortes et surtout expérimentées. Il faut avoir du vécu dans l'Assemblée nationale pour être président. Avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, les choses changent. Un quasi inconnu, François de Rugy, ex-élu Europe Écologie Les Verts, a dû passer, bien sûr, un moment au perchoir. Aucun des présidents
Aucun des présidents de l'Assemblée nationale de la Ve République n'a accédé à l'Élysée. Il n'empêche que la plupart de ceux qui ont accédé au perchoir ont disposé d'une vraie surface politique. Voilà, j'en citais quelques-uns. Henri Emmanuelli, Laurent Fabius pour la gauche, Edgar Faure, Philippe Seguin et Jean-Louis Debré pour la droite ont été ou sont encore des personnalités de premier plan qui ont marqué l'histoire de ce perchoir. À gauche, Louis Mermaz et Raymond Fournier, et à droite, Achille Peretti n'ont pas joué un rôle politique de poids. Voilà, apparemment, ça a pas, pour cela, ça n'a pas été un grand succès. Mais les postes les plus importants de la République sont parfois occupés par des intérimaires. Tenu au devoir de réserve, puisqu'il est, en théorie, le président de tous les députés, même ceux qui n'appartiennent pas à son camp, il arrive aussi que le quatrième personnage de la République s'ennuie du haut de son perchoir. C'est vrai que des fois, mais pourquoi je suis là-haut, mon perchoir? C'était le cas de Laurent Fabius, voilà, élu président de l'Assemblée nationale de 1988 à 92, puis à nouveau de 97 à 2000, au point qu'il s'est porté candidat à la présidence du Fonds monétaire international, juste avant que Lionel Jospin me proposa à l'ancien Premier ministre le portefeuille de l'économie et des finances dans son gouvernement avec le rang de numéro 2. Voilà. L'Assemblée nationale compte 577 députés qui forment la représentation nationale. Tous bénéficient théoriquement des mêmes droits et des mêmes pouvoirs. En réalité, l'Assemblée compte dans ses rangs beaucoup plus d'obscurs et de sans grade que des vedettes. La plupart des députés ne sont connus que des électeurs de leur propre circonscription. Quelques députés parviennent cependant à obtenir une vraie notoriété. Ah oui. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il a été député. Entre autres, ce sont d'abord ceux qui exercent des responsabilités fonctionnelles ou politiques au sein de l'Assemblée. Quelques-uns parviennent par ailleurs à se placer sous les feux de l'actualité grâce à leur talent oratoire. Arnaud Montebourg, par exemple, ancien député PS de Saône-et-Loire, en est le meilleur exemple au sein de la nouvelle génération politique. Patati patata. Les débats sont aujourd'hui infiniment plus policés, signe que le cœur de la... Bon, c'est pas vraiment policé, là, maintenant, bon. Alors, en fait, chaque parti politique, bien sûr, est représenté par un président de groupe. Voilà. En fait, dans l'hémicycle, il y a différents groupes. Ah oui. Vous avez donc extrême droit, le Front National. Le boss de l'Assemblée nationale à l'Assemblée, c'est Marine Le Pen. Du coup, t'as un gars qui dirige l'extrême droite est dirigée par une autre personne. Parce que celle qui est normalement présidente de l'extrême droite, et maintenant, dirige le groupe, mais uniquement que ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Sauf quand il y a les élections présidentielles. Là, elle redevient la patronne. Voilà. J'en dis pas plus. Alors, ça, c'est quoi ça? Les présidents de groupe. Voilà. Le président de groupe. La désignation du président du groupe parlementaire d'Assemblée nationale et dans un moindre mesure au Sénat constitue un acte politique de première importance. Voilà, mais ça, c'est... Voilà. Voilà. Alors, maintenant, ça y est, on va s'arrêter là pour... Ah non, juste un petit truc important. Oui, on va revenir sur l'élection des députés, l'article 24... L'élection des députés, l'article 24 de la Constitution,
stipule que les membres de l'Assemblée nationale sont désignés au suffrage direct. Ça risque de changer bientôt. Mais il n'a gravé dans le marbre ni le nombre de parlementaires siégeant au Palais Bourbon, ni le mode du scrutin. Le nombre de députés a beaucoup varié au cours du temps. Ils étaient 552 à la création de la Ve République. Ce nombre a été réduit à 487 après l'accession à l'indépendance des anciennes colonies françaises, autrefois représentées à l'Assemblée nationale. Suite à la décision de François Mitterrand d'introduire la proportionnelle départementale, qui est une loi organique du 10 janvier 1985, l'effectif a été porté à 577 membres. Malgré le retour au scrutin majoritaire, on a conservé le même nombre de députés en 88, 555 élus, par les électeurs de la métropole, 22 représentants des départements et des territoires d'outre-mer, et même des pays, évidemment. Voilà, à partir de 2012, 11 parlementaires seront élus comme des députés représentant les Français à l'étranger. Et oui, c'est qu'il y a des Français qui sont ailleurs que dans l'Hexagone et que dans le Dom-Tom. T'as les Français qui vivent aux États-Unis, il y a les Français qui vivent en Afrique, en Asie, au Québec, au Brésil, en Australie, en Océanie, oulala. Il faut qu'il y ait des personnes qui représentent ces Français-là. Même s'ils ne sont pas en France. Ils sont Français avant tout. Et donc, oui, il faut qu'il y ait des représentants. Voilà, c'était la parenthèse élection. Et parlons maintenant d'un autre groupe, des sénateurs. Le Sénat. La Ve République a maintenu l'existence du Sénat, comme la plupart des démocraties occidentales. La France vit sous un régime parlementaire bicaméral. C'est ça, bicaméral. Régime parlementaire bicaméral. Mais ce bicaméralisme est inégalitaire. Puisque la Chambre haute ne dispose pas de pouvoir aussi étendu que l'Assemblée nationale, les députés ont toujours le dernier mot en matière de vote des lois, à l'exception des lois constitutionnelles ou organiques touchant à l'organisation du Sénat. Ah tiens, une petite chose, le saviez-vous, l'existence du Sénat de la République fait débat depuis très longtemps. Lionel Jospin, par exemple, Premier ministre de 1997 à 2002, a ainsi pu qualifier la deuxième chambre d'anomalie démocratique. Le général de Gaulle a quant à lui tenté de modifier de fond en comble le Sénat à l'occasion du référendum du 27 avril 1969, ce qui a conduit à sa démission. Cet épisode clé de notre vie république, de notre vie publique, montre que les Français demeurent attachés au maintien de la Haute Assemblée qui, au titre de l'article 24 de la Constitution, assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Sous la Troisième République, le Sénat exerçait les mêmes pouvoirs que la Chambre des députés. La Haute Assemblée avait alors le pouvoir de renverser les gouvernements. Elle a surtout fait preuve d'une conservatisme abyssal. Ce sont les sénateurs de la Troisième République qui se sont opposés de manière persistante à l'octroi du droit de vote aux femmes. C'est dingue. Cela explique que la gauche majoritaire dans les assemblées de la Libération a voulu rogner considérablement les pouvoirs de la deuxième chambre. La réflexion sur l'utilité et le rôle du Sénat n'est pas close. Elle est aussi regrettable que, compte tenu du mode d'élection du sénateur, l'alternance politique est en pratique impossible dans cette assemblée. Même si la gauche a progressé, notamment grâce à l'introduction de la proportionnelle pour la désignation des sénateurs des départements les plus peuplés. La droite a longtemps dominé l'hémicycle au palais du Luxembourg. Le palais du Luxembourg qui n'est pas à Luxembourg mais qui est à Paris, bien sûr. Alors, le mode de scrutin pour les sénateurs. Quelques petites infos. Le Sénat comptait 321 membres. Mais à partir de 2011, le Sénat est composé finalement que de 348 sénateurs.
326 élus dans les départements de la métropole et d'outre-mer. Alors, en fait, pour les dom-toms, il y a 2 sénateurs en Polynésie, 1 sénateur pour Wallis et Futuna, 1 sénateur pour Saint-Barthélemy, 1 sénateur à Saint-Marin, 2 sénateurs en Nouvelle-Calédonie, ça dépend bien sûr de la taille de l'île, 2 à Mayotte, 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, et après tu as les 12 autres, et 12 autres qui représentent les Français de l'étranger, bien sûr, comme pour l'Assemblée nationale. Le corps électoral sénatorial est composé des députés, conseillers généraux et régionaux. Par exemple, pour moi, dans le Cantal, c'est M. Vincent Descoeur, qui, si je ne me trompe pas, a été président du Conseil général du Cantal. Dans les années 90, je crois. Fin des années 90. Voilà. Et c'est en ce moment, bien sûr, Bruno Faure qui a pris sa place. Bruno Faure qui dirige maintenant le département du Cantal et qu'on essaye de faire venir du monde dans le Cantal avec une nouvelle campagne publicitaire pour faire venir du monde dans le Cantal parce que, bien sûr, on n'a pas envie de perdre des habitants. Enfin, le Cantal, c'est un beau pays. Le Puy-Marie, la station du Luron, Aurillac, le Parapluie, le Théâtre de Rue. Dans le Cantal, t'as quoi? T'as le Viaduc du Garabi, Saint-Flour, Murat, la fête des Cornets de Murat en septembre, station de ski l'hiver, l'été, t'as le train touristique de la Gentiane, le Gentiane Express à Rions-Montagne, chez moi, le musée de la Gentiane, la maison de la Gentiane, voilà. La Gentiane, t'as quoi? T'as les lacs, Saint-Étienne-de-Cantalès, le barrage de Saint-Étienne-de-Cantalès, t'as des lacs, t'as les montagnes, t'as ça sort du ski, tu peux faire du sport, du vélo, du VTT, plein de circuits, des cascades, cascades de Salins, t'as même un casino dans le Cantal. T'as quelques discothèques, t'as des animations l'été, un espace pour les enfants pendant l'été au bord de la Jordane, les berges de la Jordane, voilà, monter en haut du Puy-Marie, voilà. Bon, on revient à la politique. Voilà, donc, les conseillers sénateurs, les conseillers députés, conseillers régionaux et représentants des conseils municipaux. Quelle que soit sa taille, chaque commune désigne au moins un électeur sénatorial. Les sénateurs des Français à l'étranger sont élus par le Conseil supérieur des Français de l'étranger. Vous avez compris? Composé de 150 membres déjà, élus au suffrage universel par les expatriés. Voilà, 110 sénateurs, ceux qui représentent les départements élisant 5 sénateurs ou davantage sont désormais élus au scrutin proportionnel départemental. Les 211 autres sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours. L'introduction d'une part de proportionnel a permis à la gauche d'accroître sensiblement sa représentation dans les hautes assemblées. Elle a également facilité une certaine féminisation, même si celle-ci demeure modeste. Malgré quelques avancées timides, le Sénat demeure une assemblée majoritairement masculine, rurale et de droite. Les évolutions politiques y sont d'autant plus lentes que les sénateurs élus pour 9 ans, c'est quand même... Ah, c'est long, hein, 9 ans, étaient jusqu'en 2000 renouvelables par tiers tous les 3 ans. Donc 3, 6, 9, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Une réforme du gouvernement, Jospin, a réduit la durée du mandat à 6 ans. La même durée que celui des conseillers municipaux qui constituent l'essentiel du corps électoral. Et donc la Haute Assemblée est renouvelable par moitié tous les 3 ans. Et, vous me dites, le Sénat, ils ont quoi comme pouvoir, le Sénat? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, le Sénat? Eh bien, s'il participe à l'élaboration et au vote de la loi, le Sénat n'exerce qu'un rôle politique réduit
Le gouvernement n'est d'ailleurs pas responsable devant le Sénat, mais quand même devant l'Assemblée nationale. Ah oui, quand même. Le discours politique de la première ministre, ou du premier ministre, évidemment, là, évidemment, là, bon. Ok, mais ça, on passe. Le gouvernement n'est d'ailleurs pas... Le premier ministre a certes la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, ce qu'elle a fait dans les deux assemblées. Enfin, elle n'a pas demandé le vote, mais surtout, elle a quand même fait son discours dans les deux assemblées dans la même journée. L'après-midi, boum, Assemblée nationale. Le soir, boum, le Sénat. Elle n'a pas fait l'inverse. Mais passons. Au titre de l'article 49, alinéa 4, c'est bien ça, de la Constitution, mais bien peu de gouvernements ont fait usage de cette disposition. Jacques Chirac a demandé l'approbation de sa politique par les sénateurs en juin 1975. Puis, à plusieurs reprises, de 86 à 88, Raymond Barre l'avait fait également par deux fois. Pour Raymond Barre et comme pour Jacques Chirac, il s'agissait d'obtenir un soutien politique à des moments où la fragilité et l'étroitesse de la majorité à l'Assemblée semblaient rendre leur situation précaire. Voilà. Juste pour... Ah, vous faites confiance, les gars, là. Ah, putain, j'avais peur. J'avais peur que vous allez... En fait, le poids politique du Sénat est d'autant plus faible que l'Assemblée nationale conserve le dernier mot dans la procédure législative. Cela ne signifie cependant que les sénateurs ne disposaient pas d'un réel pouvoir d'influence. Les travaux parlementaires de la Haute Assemblée sont sans doute moins dominés par... Voilà. Ok. Ok, si vous voulez en savoir plus, hein, faites des recherches sur Internet, hein, le Sénat, les sénateurs, etc. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres trucs à vous dire? J'ai encore deux petites choses. Alors, je regarde si j'ai pas fini le truc, moi. Ouais, je ferai une vidéo à part sur le Conseil constitutionnel. Sur la constitutionnalité. Voilà, donc je ferai une petite vidéo à part. Après, on parlera évidemment ensuite. Qu'est-ce que j'ai encore à finir, Après, on parlera évidemment des personnes un peu plus locales. Mais on finit le Sénat. Voilà, que je regarde donc ce chapitre s'il est intéressant. Ok, on passe directement au président du Sénat. Voilà, la présidence du Sénat, donc. Voilà, parce que pour ne pas faire trop long la vidéo, donc on finit avec la présidence du Sénat, le plus important, le plateau est au Sénat, ce que le perchoir est à l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est un nom un peu moins fun, hein, le plateau. Enfin bref, le poste est l'objet de nombreuses convoitises et parfois de batailles féroces. En plus d'un demi-siècle, la présidence du Sénat n'a connu que 6 titulaires. 6 ? Ah oui, c'est normal. Ah oui, c'est quand même l'élection où ça dure le plus longtemps. Tu vois, t'as par exemple Gaston Monnerville, ça, Alain Poher, René Monory, Christian Poncelet, Gérard Larcher, le plus connu, et Jean-Pierre Bel, bien sûr, le dernier. Bien que l'ambiance du Sénat soit traditionnellement feutrée, déjà c'est pas la même salle, pas la même ambiance. Bien que l'on en dise dans le cas, la compétition pour la présidence de la deuxième chambre est une des plus violentes de celles qui opposent les responsables politiques français. Pour accéder à cette fonction, il n'est pas nécessaire d'avoir joué un grand rôle sur le devant de la scène. Mais non, le Sénat, c'est une autre ambiance. C'est un petit rappel. Mieux vaut avoir été ministre, déjà. Faut déjà avoir de l'expérience, mais au niveau des ministères. Mais pas trop. Hein, pas trop, faut pas trop exagérer. Faut pas trop. L'actuel président du Sénat, Gérard Larcher, l'a emporté contre Jean-Pierre Raffarin, alors que le sénateur
de la Charente avait été Premier ministre quand celui des Yvelines avait seulement été ministre des Affaires sociales. Il est important d'avoir atteint un âge suffisamment respectable. Ouais, en fait, d'accord, je dis rien. Pour ne pas risquer de boucher l'horizon des autres sénateurs qui entendent briguer le poste. Alors tout. Au Sénat, on est considéré comme jeune tant qu'on n'a pas franchi la barre de la soixantaine. Voire davantage. C'est sympa. Un jeuneau risquerait d'occuper le poste si longtemps qu'il interdirait à trop de ses collègues d'espérer lui céder un jour. C'est un peu stratégique le truc, le Sénat. Ah oui, il y a surtout la fameuse personnalité de Gérard Larcher. Coche toutes les cases qui font un bon président du Sénat. Son succès en octobre 2017 était programmé. Ce qui ne l'était pas, en revanche, c'est que l'élection sénatoriale de 2017 serait la première défaite électorale du nouveau président de la République. Les candidats macronistes, j'articule bien, ont subi un échec significatif. Les qualités nécessaires pour gagner une élection sénatoriale ne sont pas manifestement les mêmes que celles qui permettent de conquérir l'Élysée. Fin. Belle histoire, hein. Ah, c'est magnifique. Il y a des histoires qu'on peut raconter dans des bouquins. Voilà. Donc, à suivre le Conseil constitutionnel et ensuite les responsables un peu plus locales, avec bien sûr le maire, le département, la région. Et peut-être, on reviendra peut-être un peu plus tard sur des moments, les moments cultes de la politique française, évidemment, et plein d'autres petites histoires politiques. Dans ce magnifique petit bouquin, bien sûr, La politique pour les nuls. Regardez, c'est un magnifique bouquin et qu'il y a plein d'infos là-dessus. Plein de notions politiques, simples, courtes, des petits cours politiques, des petits cours de l'éducation civique, évidemment. Et oui. Ah là là. Ah, le collège, le lycée. Belle époque. Il y avait l'éducation civique où on apprenait évidemment qu'on avait le droit de vote, etc. Et donc ça, c'est un bon petit complément pour ceux qui font des études politiques. Ça, c'est une source d'infos utile. De son notion, en un clin d'œil. Voilà, c'est pas un gros bouquin comme la Bible. C'est la petite Bible politique française. Voilà. C'est vite et bien. Bon, il y a peut-être des phrases un peu techniques, un peu vocabulaire politique, un peu pour les adultes, mais voilà, pour les enfants, c'est quand même une bonne petite base pour apprendre évidemment ce que c'est que la politique en France. Tout ce qui tourne autour de la politique, c'est dans ce petit bouquin. Et donc, plein d'autres vidéos sont à suivre, j'en fais plein. Le Conseil constitutionnel, bien sûr, ça sera le prochain sujet, et ensuite on reviendra... Voilà, donc ça peut durer encore tout l'été. Ça va durer encore tout l'été, évidemment. Je vais finir les responsables nationaux et ensuite on parlera évidemment de choses un peu plus locales et un peu moins sérieux. Voilà, donc la semaine prochaine, donc vidéo sur le Conseil constitutionnel. Voilà, et ensuite au mois d'août. Voilà, fin août, début septembre, on finira évidemment avec le local. Puis après, peut-être que je vous raconterai quelques petites histoires. De temps en temps, quand j'aurai envie de parler politique, on parlera évidemment des moments importants de la vie politique. Mais ça sera évidemment pas ce fameux long fil rouge de l'été. Le fil rouge de l'été, c'est la politique et les émissions de télé de l'été. Et oui, parce que bien sûr, je continue à vous parler évidemment de Fort Boyard. Et j'ai donc encore un thème pour le fort à vous parler, évidemment. On parlera évidemment de l'histoire de ce fameux monument qui est le Fort Boyard en Charente-Maritime. Et j'ai quand même le t-shirt du Tour de France parce que je vais vous faire une petite vidéo dans ma voiture. Je ne sais pas encore comment je vais faire des petites séquences vidéo,
évidemment sur le Tour de France et sur exactement le contre-la-montre individuel entre Rocamadour, entre La Capelle Marival et Rocamadour. Voilà. Et je rappelle que dans le Cantal, il y a un village qui s'appelle La Capelle Viescamp, qui est au bord du lac. Et c'est... Voilà. Donc La Capelle Marival, c'est dans le Lot. Et pour vous dire où est-ce que je serai placé exactement, je serai placé dans un village qui porte le même nom qu'un autre village dans le Cantal. Dans le Cantal, il y a un village qui s'appelle Seigne, et dans le Lot, il y a aussi un petit village qui s'appelle Seigne. Voilà, j'ai trouvé ça marrant, voilà, de vous faire une vidéo donc à Seigne, mais pas dans le Cantal. Voilà, à côté, dans le Lot. Et dans ce fameux village de Seigne, dans le Lot, il y a un château. Et je serai aux alentours du château de Seigne. Mais dans le Lot, pas dans le Cantal. Non, Seigne, dans le Cantal, il n'y a pas de château. Mais Seigne, dans le Lot, il y a un château. Voilà. Voilà. Et je rappelle bien sûr que c'est un contre-la-montre, donc ça va être une autre ambiance. Ça va être une autre ambiance, une étape simple. Voilà, La Capelle Marival, donc, ils font bien sûr un passage dans un village qui s'appelle Hénac. Ensuite, ils passeront à côté, tout près de moi, au château de Seigne, avant de se diriger vers un village qui s'appelle Bio. Voilà, un village bio. Après, on va savoir s'il est vraiment bio, le village de Bio, dans le Lot. Et après, bien sûr, l'hippodrome. Il y a un hippodrome aussi dans le Lot. Voilà. Il y a l'hippodrome d'Aurillac, avec des courses uniquement 2 dimanches par année. Et ensuite, l'hippodrome du Tumulus, avant d'arriver sur Agrama. À proximité de Gramma, il y a quoi? Il y a le zoo de Gramma, le parc animalier de Gramma. Ah, ça fait un magnifique souvenir, le zoo de Gramma. En plus, c'était aussi sous une chaleur terrible. Voilà, Gramma. Et ensuite, ils finissent évidemment par Couzou. Le village de Couzou. Avant d'arriver à Rocamadour. Voilà. Évidemment, comme c'est un monument, hein, Rocamadour, un monument protégé, évidemment, ils vont passer à côté de Rocamadour. À côté de l'église de Rocamadour. Et ils vont juste arriver juste à côté, en face de Rocamadour. Enfin, en face du château de Rocamadour. Enfin, juste à côté. Voilà. Ils vont juste monter une petite côte. La côte de l'Hospitalet. De l'Hospitalet, c'est bien ça. Voilà. Juste pour vous dire qu'à Rocamadour, j'y suis allé il y a 4 ans. C'est vraiment... J'y suis allé à Rocamadour. Bon, il faisait pas très beau à Rocamadour quand je suis allé. Et je compte bien y retourner à Rocamadour parce que je n'ai pas fait tous les trucs qui sont à Rocamadour. J'ai pas fait les singes, les aigles et le spectacle aussi de Durandal. Voilà, j'ai juste fait la ville et le magnifique point de vue, la vue depuis la côte de l'Hospitalet. Voilà. Et donc moi, je serai, je rappelle, à Seigne, dans le village de Seigne, dans le Lot. Pas dans le Cantal, non. Ma vidéo est vachement longue, donc je m'arrête là. Il est l'heure, hein. Je regarde. Ouh, il est bien l'heure de vous quitter. On se retrouve donc pour la constitutionnalité de la politique française, pour ce thème-là. Et je prépare évidemment le sujet évidemment sur le fort Boyard. Et je vous prépare mon expérience de contre-la-montre individuelle en tant que public, avec la caravane publicitaire, avec la petite pause pique-nique et le passage des coureurs un par un. Voilà, ça va être une expérience hein, d'assister à un contre-la-montre individuel. Évidemment, j'aurai la radio, évidemment, pour suivre la course, évidemment, en radio, et bien sûr, sur mon smartphone, les applications sportives, évidemment, France TV et Eurosport, GCN. Voilà. Je vous laisse tranquille et je... Voilà. Donc,
la prochaine, donc celle-ci, je la mets en ligne ce soir. Et demain, donc, je tourne la vidéo au contre-la-montre et je la mettrai en ligne d'ici dimanche soir. Voilà. Et ensuite, dans la semaine, je vous préparerai évidemment la Constitution et le Fort Boyard avant que je parte en vacances chez mes parents, avec peut-être mon voyage dans l'Allier pour la deuxième semaine de vacances. Et ensuite, je reviens ici vous faire des vidéos sur le théâtre de rue, le festival de théâtre de rue qui démarre donc le 17 août. Voilà, après le 15 août. Merci, faut que j'aille manger. Je vous souhaite une bonne soirée. A plus.